Filippo Galli. Ah non, il est en jeu, ça se fit largement. C'est bien joué, c'est très bien joué de la part de la défense marseillaise qui ne veut pas. Voilà, bien remonté. Mais cette fois-ci, il est en jeu. La manœuvre a parfaitement fonctionné malgré les protestations des tifosi. Un ballon récupéré par Richard. Tassotti. Ils sont en jeu, ils sont en jeu. Raymond Cotal qui a longtemps entraîné Anderlecht, qui a longtemps entraîné les Diables Rouges belges. C'était... Oh, quelle puissance. Oui, monsieur Bastaro, il a du mal à comprendre la... La règle du hors-jeu, Daniele Massaro. Je pense que s'il y a un coup à jouer, et hors-jeu de Gullit sur cette belle ouverture de Baresi. 11 fois, les Milanais avaient été pris hors-jeu. Ouais. Il y a encore pas beaucoup. Sur Costa Curta maintenant. Et montée de tout Marseille. Et hors-jeu de Maldini. Belle montée, bien orchestrée, mais il y en avait. C'est comme un autobus qui tape dans une voiture. Et nouvel hors-jeu de Massaro et d'Evani. Ah, il va peut-être récupérer ce ballon, Pardo. Oui, il a pu donner à Waddle. Tir contré, la nouvelle touche. Contré, Evani, Richard, non, Richard ne récupère pas le ballon. Il a tenté un extérieur du pied, mais... Bien joué. Le jeu court des Marseillais est en train de poser des problèmes, et c'est tant mieux au Milan AC. Boli, Abedi Pelé, Gullit là, avec Donadoni. Gullit. Gullit toujours. Elle était sortie cette balle, je crois, en faveur des Italiens. Gullit. Ah oui, avec une, oui. Gullit, Donadoni, Tassotti. Ah, c'est galère. Il a fini par la touche. Ouais. Et encore Abedi Pelé, alors dans le carré d'as. Oui, il y sera. Waddle, tête de Boli, récupération italienne. Gullit, avec toujours Boli. Boli aux trousses. Mais bon, non, tacle, pas de faute de Eric Dimeco, bien joué. Donadoni. Et Papin encore qui ne tacle pas. Et là, il y a un tacle réussi sur... Bien récupéré le ballon par Dimeco, puis Germain. Richgart devant lui. Voilà, c'est avec Richgart à nouveau Maldini. Maldini, Evani qui remet à Richgart à une touche de balle. Et c'est Fournier qui vient reprendre ce ballon avec Richgart. Papin qui part. Papin est parti. Il a Waddle à droite. Richgard efface bien, Gullit a dérapé et attention, il est parti, Massaro, il est parti et c'est Fournier qui est revenu le chercher alors que les Marseillais ont pris un moment pour le jeu. Mais Richgard est contré à son tour par Casoni. Les deux équipes s'étaient concentrées dans une petite surface autour de la ligne médiane et maintenant nous sommes dans le camp de Milan donc avec Abedi Pelé. Centre de Pelé vers Papin qui dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Et but fantastique de Chris Waddle sur cette reprise de volée après une déviée sur la tête de Papin et un centre d'Abedi Pelé. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. C'est un but extraordinaire. Raymond Gotthals avait dit nous saisirons de toutes les opportunités. Il ne pensait pas que le but du match aller pourrait être égalé en beauté et en qualité. Il est dépassé sur ce but du match retour. Aolmeta peut revenir fou.